qui nouvelle, vite l'homme joigne, seul tap cherché à zami internet, non forge à côté, négliotel, tente moule quelques zones, en l'en pète sur ville zami internet, et bien yon mouté sur yon manger, ranger non forge à côté, l'été dans l'émission, nous pourrons joindre plus en détail, plusieurs nanti voyou sa yo, l'été à te abbeye nan san nan moment n'a parlé là. Population plus la police mette bagay non mais nèg vite l'homme yo rete dans l'émission pour plus en détail si ou à peine rejoignez nous n'a dit ou pas hésiter abonner avec channel là pèse petit cloche notification pour capable joindre toute dernière information nou yo et de nous partager vidéo ça dans tout groupe Facebook WhatsApp commenter si me like sur vidéo wa pour capable faire nous connait émission ZPM01 rentrer la caillou. Claude Joseph frappé gay konni zami internet. Claude Joseph parle arabe parle et bien ou pral joindre toute déclaration monsieur sa yo côté Claude Joseph mette PM gay konni à tes oui, parole cap sorti dans bouche Claude Joseph, ancien premier ministre pays d'Haïti. Rete la, rete tiche marche ta bien installé ou pour capable joindre toute dernière information yo. Oui, mesdames et messieurs, bagay yo pas bon même pour base crase bagia et bien côté yo ta perdu yon dizaine soldats en l'air en Pétionville. Oui moi passé yo côté yo te attaqué moun en l'air en Pétionville zami et l'autre et bien yo fait brigade pour yo et bien yo mette bagay nan men yo après-midi là rale tichèz banouche ta bien installé ou nous pral boukanti la parole tout droit sans perdre de temps. En nous tendant arabe qui t'a parlé dans micro la presse qui t'a dit mais qui Jean yo capable assassiner Claude Joseph même Jean avec président Jovenel Moïse en nous entrer en dans détail yo. Ouais même gars il connaît ça qui là yo pral fiser l'autre semaine là oui même militant ça yo parce que faut que yo vienne manger pour yo vendre parce que gars il connaît tout il va stopper gagot ça ka fait là pour stopper yo pral besoin fiser gars oui parce que Gagot ça qui là, il doit stopper et me camper derrière le gars Ikoni pour stopper Gagot ça. Nèg la jour c'est militant, tandis que chaque là va la cantine populaire pour faire manger pour population côté lié, il vont manger à l'acheter balle, l'acheter zam. Pétionville, il y a 45 cantines populaires, m'pa quoi il y a 3 qui a fonctionné. 3 graines nous jeune qui a fonctionné, on va plus faire manger oui. Et si calme manger au faire pendant moi. On va ça au faire. Yo vann ni 30 dollars l'état ba yo 25 goud ba yo lord pour yo vann manger à 25 goud yo vann ni 30 dollars ça montre que pas gon l'état mais si gars ikoni vin là li vin marer vaca bon m'a dit bravo gars ikoni si gars ikoni dit la monton équipe sécurité accompagné superviseur accompagné des juges de paix yo bon manger ya. Ou pas faire pas ba yo jour à passer visiter yo ou visiter yo sans attendre. Pendant la visite, on va tout juger GPO. On va toute la police ou on staff sécurité avec vous pour cantine côté bay moun. Pas être dans zone non pas une cantine dans Maril. Faire 10 ans prison. Moun qui cantine dans mais cantine scolaire depuis où moun prend micro devant la presse premier salle Zouli grand goût. C'est pas bagaille moun a dit l'état bay manger à vrai. L'état bay manger cantine populaire vrai. Non moi, je vais manger à deux fois. 40 gros sacs d'huile, 18 mamites là. 10 gros bidons d'huile, 5 gallons. Yo ba yo saumon, yo ba yo poire, yo ba yo tout bagay. Et yo ba yo 50 000 gouttes derrière. Est-ce que manger yo fait? Si ma parle pour peuple, faut me parler ça. Gen qui pas besoin de amis arabes. Parce que arabes vin toucher point yo, même si tu connais les dans téléphone, bonne foyou, bonne gang, parlez-les. Depuis c'est moun ka vann manger scolaire, parlez-les. Parce que nan moudan. Manger peuple là, deux jeunes peuple là. Dans Delma, il y a 45 cantines populaires, pas de 3 qui ont fonctionné. Dans Pétionville, il y a 47, pas de 3 qui ont fonctionné. Soit pas ta comprendre, en bas la ville, il y a 23, il y a 10 qui ont fonctionné. Et il y a 12 qui ont fonctionné. Il y a un grand lacou, il y a un qui a fonctionné dans le grand lacou, il y a un justifié. L'opparet, dans la zone côté là, il y a un série de bandits. Et on va même mettre un état, non, pour faire manger les peuples. Pour que les gens soient avec eux. Et vous même qui ne pas gagner, pour qu'ils s'allèrent au bas ou l'ouvre. Bon gang nan li même li choisi faire social barbecue quand on est là l'école a prouvé
Li préfère frapper toute porte pour le cas jeune petit bagage pour jeune pour le bail population avec là. Pour les venir attaquer pour le cas jeune population avec. Mais voleur qui dit c'est politicien, yo c'est militant, yo gon mande avant yo baba yo, yo monter sous groupe d'émigré moun. Depuis yo baba yo, yo sous groupe attaquer moun. Jodi a m'a mandé l'état qui là. Cantine scolaire. Madame Delatou, il y a plus que 100 moun qui vont manger pour lui dans le PNCS. Fayez! Fayez! Il y a plus que 300 moun qui vont manger pour lui. Il y a Sadrak, machin de riz. Il y a Sadrak, machin de riz. Peuple a vendu lever les jours de Ligrango. On va peuple lever les l'éternel, les jours de Ligrango. Tandis que manger à bail. Je dis à la ville de Moudan, à la Bdine. Et moi je parle de marrer nous. Même si c'était maman, je vais cantine populaire, elle va faire marrer. Même si c'était papa, je vais une cantine populaire, il va faire marrer. Parce que je dis à peuple là dans peuple là dans souffrance. Et je demande pour me parler pour eux. Je tente des cantines populaires à bail, c'est menti, c'est film qu'a fait. Je dis à les manger à bail, il doit atterrir. Et l'État doit mettre un staff de superviseurs. Accompagné à juge de paix, ou pas il m'a mangé à poule bail, ou pas il qui doit passer visiter. Pas mal date. La guette qu'on est juste à faire manger. Pas mal date. Ou passer visiter sans attendre dans moi. Dans moi, ou doit visiter n'importe 30 fois. Chaque jour visiter, est-ce que manger à bail? Chaque jour passer visiter, est-ce que manger à bail? Son façon pour peuple ça sorti dans salier là. Nous pas dans 21e siècle, depuis mon n'a pas l'eau, les ou li grand goût. El grand gouvre. Je dis à m'in parler à gouvernement Gary Kouni. Lem gade pombe dimel. M'sot nan grand sud, m'entende zore, m'entende sa zore m'en dim. Sa bouche peuple la parle à zore m'entende. Bon grand bagay, si Gary Kouni pas choisi, faire pombe dimel fonctionne, grand sud la parle lever en général. Pombe dimel, qui se pigou port. En d'un pays, s'il pas fonctionné, dans le jour qu'il vient là, c'est quoi Gary Kouni a fait? Levé campé par la mondale. Et vous fixez Gary Kouni. Vous pas fixé pour lever tête là, non? Vous tous ces gangs, vous avez été là déjà, vous n'avez pas été c'est assassin. Vous fixez un seul monde, il est Gary Kouni. PM Gary Kouni, si vous pas vle, grand site d'aller vers campé contre tout, courir. Mettez toute stratégie à terre pour pouvoir bédimel, pour bateau débarquer, pour fonctionner normalement. Et m'a demandé à la population pour nous être très vigilants. Dans le dossier, nous avons dit l'école a ouvert, oui, pour l'école. Oui, tout ce volet qui a fait pause, qui a fait manifestation dans l'arrière, tout ce volet, oui. Vicieux, oui. J'entends pour un gros coup là, oui, dans la semaine dans le passé là. Ah? Tout le monde, j'entends le piaf dans l'arrière. Il était dans la tête à Nap, oui. Qui est là pour contrôler les bagailles Bessap, oui. Il était dans la tête Bessap. C'est maintenant que vous évoquez, monsieur. Il est si révoqué. Parce que vous remplacez. Il n'y a pas de jambes révoqué, vrai. Tout ce que vous avez fait dans la ria, et même quand vous avez fait dans la ria, vous avez dans la ria. Il n'y a pas de jambes qui mettent 10 personnes dehors. Et il y a 4 messieurs dames, Bessap. 4 messieurs dames, Bessap. Qui derrière depuis 7 février. Même mon chercheur Sik, 25 gouttes, j'entends Joseph pas jambes voyez pour vous. Je mets grand dans mon dame, je mets vous dehors dans le jour qui vient là. Et me dit nous ça m'annonce nous ça nous même dans la presse m'a metté au dehors et mettez m'a metté au dehors c'est parce que Guy Philippe sensible pour monsieur dame ça qui derrière baou Guy Philippe dit arabe c'est frère ou qui derrière baou c'est sœur qui derrière baou mais grand dans monde m'a au dehors et m'a metté au dehors parce que moi Guy Philippe prend ça en charge même monde qui te mettre me dehors doit mettre au dehors c'est là moi loin est-ce que arabe gon pouvoir c'est là moi loin est-ce que arabe gon pouvoir semaine ça m'bay gouvernement dernière semaine pour nèg messieurs dames Bessap mayo dehors c'est là m'bral wè est-ce que Gary Kouni pas vinn faire politique sale à terre parce que nèg yo pas tan volé yo pas tan kidnapping yo pas tan assassinat tout simplement yo t'a revendiqué pour gon la vie meilleur yo t'a revendiqué pour gon bon révolution pour gon bon jan condition la vie pour ça qui pi mal yo je veux dire et pas kayo même depuis 7 février déba l'aime te arrivé dans prison te dans état ori. Moi dis nous semaine qui vini qui là même nèg yo doit dehors et l'état pays doit tendre la raison tendre nèg yo libérer nèg yo parce que nous avons fait tout processus légal pour nèg yo dehors et y a dehors en
un grand monde. Laisse-moi me parler. Est-ce que j'entends la dire les pétillons dehors? Mais je te le dis, je te le dis, le pouvoir. Il dit la prendre chez Garigoni. Qui pouvoir le prendre? Je te le dis, la prendre chez Garigoni. La prendre pouvoir. Qui pouvoir, j'entends le prendre? Où seul monde qui a battu à terre là, relé Guy Philippe. Tout le monde qui a fait caca là, manger à chercher. Mais nous, elle va jamais mettre la terre là, ça passe. Guy Philippe, il est normal pour le replier, pour le voir qui s'est battu à aller, lui-même pour le renforcer forcément, pour le connaître qui j'ai la bête depuis la terre. Mais même parler, nous ne pouvons pas parler même. Non, Guy Philippe, pas parler pour le parler. Maître révolution, relé Guy Philippe. Il ne peut pas parler pour le parler, non? Oh. Je dis à tout le monde qui vient de jouer Guy Philippe, depuis que vous avez fait un noyau, vous venez de jouer Guy Philippe. Est-ce que j'entends les banans de bon côté Guy Philippe pour te connaître? Mais qu'on y a le bon côté. Et Caleb Jean-Baptiste, autant de Yodou, il prend un coup de cassation, il prend le président dans un coup de cassation, c'est même volé à Ariel, il a besoin de mettre, vous déchappiez pour eux, mais nous-mêmes nous reconnaissons un seul monde. Si le pouvoir s'achavirait, c'est seul Guy Philippe qui est crédible. Qui a pris le pouvoir? Qui pile le monde? T'as tout qui est chaud. C'est quoi là avec pile le monde qui mettait dehors? Chaque monde qui était dans l'Ariel, il y a 2500 gouttes d'amel. Oh. Chaque monde qui était dans l'arrière, j'étais resté. Ah, mais lui, il est resté, il perd du poste tout bon. Là, il y a 2500 gouttes dans chaque monde. Et puis, il prend 10 vacances, il vient de bouler le caoutchouc sous le mac. Il y a fun de monde à faire au coup. Ah, c'est pas grand, c'est peuple qui a réglé. Joue bataille, peuple a réglé, après à la bataille. Ancien Premier ministre, Dr. Claude Joseph, Depatcha, Dr. Garigoni. C'est des docteurs. Vous payez ça. Vous êtes médecin, ça, on vient de faire dans la politique même. Et c'est là, le problème, nous, hier. Mais, Docteur Claude Joseph, déshabillé, Garigoni. Claude Joseph parle causé. Et le m'attendel, vin comprendre en pile. Proverbe ça, que grand-mam te toujours qu'on a répété devant, le dit comme ça que c'est leur cabrette la collé. Ou pas qu'on veut mettre bœuf là, avec colonne gang qui te vole au bœuf là. Et mais définitivement, j'aime d'ab dit nous avant hier, vrai visage Garigoni, li paraît et nous commençons à comprendre. Moun que Garigoni vrai visage liant, définitivement, la paraît clair devant nous. Et ça, comme te dit nous, si Haïtien te comprenne et taille ou, dans l'état à vivre dans Port-au-Prince, je garantis que Garigoni pas de mettre Zagol dans le pays d'Haïti. Période. Nous prenons le temps de Claude Joseph. Nous ne voulons pas avec Claude Joseph. Nous connaissons ça. Tout le monde a une position par rapport avec Claude Joseph. Nous classons ça. Nous avons tolérance nous-mêmes. Mais par conséquent, où est-ce qu'il y a passé dans le pays là? Un seul bagaille qui a retiré là-dedans. Peuple là. Qui pour prendre une décision réelle pour éradiquer total capital, classe politique ça. Tout d'abord, avant que nous ayons le temps de Claude Joseph, qui a eu une conférence de presse, qui a vu les Garigoni, je vais nous écrire ça dans l'espace commentaire pour moi. Liberté ou la mort. Liberté ou la mort. Info Beto à l'appareil. On a le temps de Claude Joseph, parce que il y a un pile causé qui a parlé de la République, et bien nous-mêmes, il faut que nous tendions avec un pile intérêt. Claude Joseph à l'appareil. Déplacement, chaque journaliste, siège social, parti politique aidé pour couvrir conférence sur la presse. Un moment difficile, à bousquer information pour population pour être capable de prendre une meilleure décision. Donc, je voulais féliciter le courage qui est extrêmement difficile au moment qui est marqué par une incertitude. Et dans le moment d'incertitude, c'est force politique, c'est parti politique. C'est l'organisation de la société civile là qui est là pour montrer chemin. Allez bien, ça oui. Fait aider les engagés pour le développement à continuer jouer le rôle avant-garde li bon côté des Haïtiens. Place pas aider, place pas nous, c'est bon côté des Haïtiens. Après des pas, régime qui s'est passé là, population t'attend un apaisement. Population t'attend un soulagement. Mais l'espoir, peuple a caressé, pas semblé prêt pour arriver. Après plus que 100 jours, le gouvernement Garigoni continue à marquer pas sur place.
grand goût ak misè pa suspann tay bandal an van pèp la. Pour insécurité a même nous pas ka parler. C'est dans contexte misè a augmenté. C'est dans contexte insécurité a valé terrain. Moun pa ka lan grand sid. Monsieur Garikoni célébré en grand pompe 100 jours dans tête gouvernement. Yon bilan meg qui célébré en grand neg. Célébration 100 jours ça, c'est une provocation pour peuple haïtien qui nan misère. Yon célébration 100 jours pour faire monsieur Garikoni bien paraître même si Haïti prêt pour disparaître. Moi, ça t'a, docteur Claude. Économie pays a connu sixième année consécutive de croissance négative. Toute projection qui est disponible confirme tendance à. Bon côté gouvernement, pas de aucune mesure concrète qui prévoit pour inverser courbe croissance à. Pour preuve, au monde qui a suivi bien, l'aide cadrage raté budget 2024-2025, là-dedans, pas gagné aucune projection qui est établie. Pas gagné aucun objectif chiffré dans l'aide cadrage ça. Est-ce que nous devons conclure que le gouvernement ça pas gagné aucun objectif? Sinon que propagande, sinon que marché monte descend. Inflation, il y a pire au niveau que nous ne connaissons pas. C'est 30% lié d'après les dernières statistiques IHSI. Pour produits alimentaires eux-mêmes, inflation à environ 43%. Alors que 50% de compatriotes nous à vivre en insécurité alimentaire aiguë. Yon bilan meg qui célébré en grand neg. Célébration sans joussa, c'est une provocation pour peuple là. Nous tous journalistes nous ouais. Gros photo dans gros hôtel pour célébrer 100 jours misère, 100 jours insécurité, 100 jours incertitude. Sans jour moment difficile. Propagande, c'est pour première fois dans l'histoire de transition un pays, un chef gouvernement utiliser propagande dans le niveau ça pour les cacher, essayer de cacher misère peuple. Et nous parlons de ça. Dans la tentative boycottage, participation président CPTA, dans la 79e session Assemblée générale l'ONU dans New York. Ça, c'est le dernier goutte d'eau qui renversait le vase projet pour craser CPTA. Primati, nostalgique de un exécutif qui a une seule tête. Primati, nostalgique de un exécutif monocéphale. Projet Primati, c'est projet pouvoir total. Yon pouvoir absolu. C'est pas pour ça. Fait c'est pour ça nous pas jamais dans l'histoire pays a j'en so di là yon chef gouvernement propagandiste à niveau ça. Ça peuple a besoin dans moment n'a parlé là. C'est sécurité. C'est un apaisement. C'est élection. C'est une autre constitution. C'est pour ça, parti politique aide tes batailles pour accrocher transition. Comportement chef gouvernement mettez en pile acteur en doute sur capacité pour apaiser misère peuple, faire élection en transparence et la tri. Nous voyons ça déjà. Nous tout connaissons comment le passé. Et défaire déjà si nous pas corriger situation ça peuple haïtien
aidé, a toujours été bon côté. Peuple haïtien, aidé, a toujours charrié revendication. Merci en plus. Voilà. Bon, pour ça, qui vient. Alors, ma fait nous connaît et Gary Koni parle tout. Je vais faire notre Gary Koni tout à l'heure. Parce que c'est un pile causé. Je dis à son émission. Alors, son petit on flash, m'vin banou là, sur ça qui a passé. Et ça, ça a gagné l'actualité. Hein. N'a pas couru, une pré-intervention. On entend Dr. Claude Joseph qui t'a fait, alors, recevoir question, répondre question journaliste. Nous allons attendre parce que nous allons être chargés. N'a pas suivre. Et gros causé, oui. Parti politique et des compromis à RED. Faut Jovenel Damoy. Ah ouais. Ak membre fondateur parti politique aidé qui représente nous dans le conseil présidentiel là, c'est une page tournée. Nous souhaitons bonne chance à camarade nous Smith Augustin. Nous croyons qui gagne un pile avenir politique et professionnel. Malheureusement, il est tombé dans une situation qui n'est pas intéressante pour protéger le processus transitionnel là qui est déjà trop fragile, aider, mettre le bon côté de l'histoire. Parce que, je dis, la force politique, la force dans la société civile, là, nous gagnons une responsabilité historique pour la transition Sahara, c'est la dernière transition pays à vivre. Est-ce que nous avons le bon côté compromis avec l'autre parti sous remplacement? Est-ce que nous entendons nous sur ça? Nous sommes des acteurs politiques responsables. Nous gagnons face à nous une situation qui est capable de dire extrêmement difficile. Gagnons un rôle pour acteurs politiques qui jouent. Pour être capable de jouer un dénouement heureux à la crise. Là. Aider, je vois le parle là déjà. Aider, travailler ensemble avec partenaires internationaux et nationaux pour nous capables de jouer un dénouement heureux à la crise. Là. Merci. Nous-mêmes, nous avons aidé les engagés pour le développement, nous situer nous. Du bon côté de l'histoire. Nous là pour nous protéger, nous là pour nous assurer que le conseil présidentiel là les fonctionne bien et que transition ça c'est la dernière transition que le pays a fait. Merci à vous, ministre. Il y a quelqu'un qui fait quoi au parti de position parce que quelqu'un dit c'est un coup d'état. Voilà, c'était Claude Joseph qui était venu en conférence de presse. Alors, et avant nous faire peut-être un commentaire, en nous courant de Gary Koni tout, et Gary Koni, nous connaissons qui déjà New York, et qui parlait dans la radio et dans le micro Gary Paul Charles, nous pas le temps de qui ça que Gary Koni dit, parce que, et comme elle a qui va finir trop clair, est-ce que comprennent? Moun qui pour dossier la mel qui bon. N'a pas aller tout à l'heure, nous pral faut attendre et Gary Koni. OK? Nous pral faut attendre Gary Koni et qui déjà dans New York. On a le temps de Gary Koni dans micro Gary. Sous régional, c'est vraiment une ambiance côté que vraiment ou profiter côté où tout le monde là normalement pour ta rencontrer tout le monde pour ta rencontrer la session assemblée générale la session ça la semaine ça faut ta faire des semaines de voyage des heures d'appel téléphonique des faut ta dépenser un paquet de quoi pour rencontrer yo. Donc depuis des années Assemblée générale, la vie opportunité ça pour chef d'État, pour chef de gouvernement, venir et profiter, faire avancer l'agenda. Donc nous venons là aujourd'hui à Gary, justement, c'est pour ça, c'est pour nous faire des rencontres bilatérales, nous venons comme étant partie de la délégation du présidé par le président Leblanc, pour nous-mêmes, nous venons profiter, faire contact, faire dialogue, faire réseau avec national, avec multinational, avec organisations
l'organisation internationale pour discuter de dossier haïtien, pour nous rappeler et mettre dossier Haïti à sous table là, pour rappeler le monde entier que nous avons des engagements envers Haïti, pour nous dire partenaires que nos bonnes visions, nos bonnes idées, nos bonnes stratégies et que faut qu'ils supportent. Nous, il est vendredi soir, déjà nous faisons une première rencontre avec des experts de haut niveau de l'Université Columbia qui offrent pour nous assistance technique pour nous réfléchir sur des dossiers très difficiles, concours sécurité alimentaire, concours comment pour nous faire réforme administration publique, comment pour nous garder question sécurité. Le samedi matin, nous participons au panel avec le président Malawi, avec l'ancienne directrice et PAM, pour discuter de problèmes de sécurité alimentaire. On connaît qu'en Haïti, presque 50% de la population en insécurité alimentaire, Gary. On connaît qu'il y a plus de 2 millions de monde qui a souffert de malnutrition avec des conséquences très graves sur la santé. Nous avons un taux d'anémie excessivement élevé. Nous faisons une grosse réunion avec le président Malawi. Malawi, c'est un pays en Afrique qui fait des avancées assez intéressantes dans la question de production agricole et dans la table. On a discuté avec l'expérience de situation haïtienne. Hier, Gary, nous rencontrer avec le cadre supérieur Banque mondiale pour nous discuter du cadre de coopération avec Banque là, pour informer Banque là que la situation n'a pas entré là, la situation d'urgence n'a pas entré là, la situation sécuritaire, le cadre d'action que n'a pas sécuritaire, n'a besoin de Banque mondiale qui est flexible, qui est capable de mobiliser les ressources, qui est capable de venir aider nous mettre en place les infrastructures qu'il faut et les idées, les discussions que nous avons. Ont été très, très bien reçus. Hier après-midi, nous rencontrons avec un partenaire clé, Premier ministre Jamaïque, là, comme nous connaissons Jamaïque, pour aller aider nous déployer non seulement des polices, mais aider nous déployer des bateaux pour protéger BEA, et nous voyons ça 4 000 là avec bandits qui a attaqué bateau en haute mer. Et nous joignons que solidarité a là tout à fait. Nous discutons de modalités de déploiement, de timing, nous discutons de problèmes transfrontaliers, quand coup. Le fait que les armes cap sont Haïti à la Cali, nous profiter pour parler d'une situation anti-jean embêté nous. C'est un groupe de monde qui prend bateau. Il y a un petit retard dans la gestion de dossier pour mettre donc que pour faire diligence. Et je dis à type de réunion, ça va pour continuer. Pressé pour le bail mental. Pressé pour le bail mental. Une session avec le Premier ministre Trudeau, Canada, chef d'État, chef de gouvernement, pour discuter de la situation d'Haïti. Le mercredi, ma famille, une session avec secrétaire Blinken, mercredi, nous avons organisé une grosse session que nous-mêmes, Haïti, nous avons organisée avec financement la BID, pour nous dire que non seulement il y a un problème de sécurité. Alors, nous avons peut-être des garigonies. Tellement bâillementif. Ce bagage qui définit Haïti, Haïti, c'est un pays qui a des opportunités extraordinaires d'investissement, particulièrement dans le nord et dans le sud. Nous déjà gagné plus de 5 quelques mondes qui intéressent à venir dans la session. Ça, nous avons rencontré l'autre bilatéraux autour, l'autre pays, pour nous pousser, pour nous avancer. Solidarité internationale. Scoop! Allô? Scoop! Oui, je suis là, je t'écoute. Ok, oui, maintenant, Premier ministre, et nous t'entendons, et tout le temps quand tu fais bilan, maintenant, la question, c'est que, en fait, il y a une information, nous avons confirmé pour nous, est-ce que finalement, président Edgar Leblanc-Fils a pointé? Malheureusement, je n'ai beaucoup parlé avec le président Leblanc depuis hier soir, mais l'information que m'a pris dans la presse, c'est que les États-Unis engagent pour offrir au président Leblanc toutes les courtoisies offertes aux chefs d'État quand ils sont en visite aux Nations Unies, ce qui était une bonne nouvelle. Après, rappeler, Gary, que depuis avant de partir, m'étais sorti une note de presse, côté que m'étais expliqué que m'a fait partie d'une délégation qui présidait par le président Leblanc. Moi, j'ai coordonné voyage là avec le président Leblanc, c'était de présentation de Wolpan. T'es connaît que ça t'a fait. Et évidemment, nous-mêmes, nous arrivons et puis nous continuons de travailler. Évidemment, nous connaissons que il y a deux conseillers présidentiels qui citent New York en ce moment. Enfin, un conseiller présidentiel Voltaire qui cite déjà, mais nous ne savons pas si le conseil présidentiel là entend tout que le président Leblanc a venu quand même. Oui, mais en plus, le monde est en train d'interpréter que c'est où pour parler parce qu'il y a un petit problème côté service secret, tu es refusé de la sécurité quand même.
Non, je crois que c'est là qui peut-être te gagne une petite confusion, là, qui président, que, dès le départ, nous-mêmes, il était clair pour nous que c'est président Leblanc qui tape chef délégation, ou elle, en note de presse, nous, et à ce titre, évidemment, c'est lui pour rencontrer secrétaire général, et c'est lui en général tout pour faire discours des Nations Unies. Évidemment, nous-mêmes, nous appelons en première ligne pour appuyer, pour soutenir et pour applaudir au nom de Haïti. Maintenant, nous remarquons rapidement, on décrète sorti, on parlait du conseil électoral là, il y a 7 membres, il y a qui dit l'idée de gagner 9. Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour le gouvernement? Est-ce que déjà toute structure mettait en place pour au moins aller vers les élections? Justement, mais en revenant rapidement tout sur question, ça a rappelé que le fait que son pratique assez courante, Gary, que le premier ministre a venu avec le président Ungas, ça a été fait avec Boniface la Tortue, ça a été fait avec Mantelli Lamotte. Son pratique qui est assez courante et dans tous les cas, toujours bien tous les moyens qui met à disposition de l'élégation pour qu'il fait travail et son travail de complémentarité. Mais sur ta question, effectivement, Gary, il était absolument important pour nous pour avancer sous question conseil électoral. Alors, on demande à coûte, c'est 16 mois. Il faut absolument que Haïti gagne des élus le 7 février. Nous n'avons pas grandi le temps. Nous n'avons pas perdu du temps. Il y a déjà perdu trop de temps sans élus. Il faut que la population qui a prononcé, que le cas prenne des stèles en main. C'est pour ça que je suis très content que le conseil présidentiel a fait tout effort que le capable pour le ban au conseil électoral. Là, que je l'espère qu'il va installer très vite. Nous-mêmes, le gouvernement, nous déjà prenons disposition pour financer, nous déjà prenons disposition pour nous faire l'appui logistique, nous déjà prenons disposition pour nous faire tout accompagnement que nous besoin. Donc, dès que CEPA fonctionnel, n'a pas commencé à avancer à toute vitesse sous question électorale, évidemment, pendant qu'on a résolu le problème sécuritaire. Maintenant, le pays a tellement connu qu'il a changé magistrat et directeur général, puisque en plus où il a circulé, côté où il pensait que y a un problème sérieux en termes de nomination, parce que finalement, par exemple, quand il a fait nomination, CPT a gagné beaucoup entendre tout ça, magistrat a gagné des cartels qui paguent les gens qui l'a gagné parti. Donc, qui décision pour prendre, parce que vraiment, le gouvernement a CPT a un retard par rapport à l'agenda, nous te dit que nous avons pour nous faire élection rapidement. Merci beaucoup pour la question. Ça, effectivement, il y a à peu près 2 semaines, en tant que ministre de l'Intérieur, moi présenté avec l'équipe de CPTA, situation Mairio. Il y a presque moitié Mairio qui ont un niveau de dysfonctionnement. Et nous présenter au cas par cas avec l'analyse de chaque camp particulier. Chaque manqué un membre, chaque manqué 2 membres, chaque manqué 3 membres, chaque bien gourmet interne qui fait que Mairio est dysfonctionnel. Et nous font proposition tout bas CPTA sur comment nous croyons nous faire changement de manière progressive. Mais surtout, c'est important en assurant une certaine neutralité et une certaine représentativité de collectivité. On connaît très bien que l'on parle dans période électorale comme ça, il faut faire très attention pour ne pas avoir l'impression qu'on a fait préférence dans un sens ou dans un autre. C'est pour ça que nous prenons pile précaution, nous faisons proposition sur 2 ou 3 options que CPTA a utilisé pour identifier femmes et garçons qui a servi pour nous de maires et de membres de leadership communaux de manière transparente et de manière participative. Et en plus de ça, on connaît que nous-mêmes, nous focus là sur mener jeunes garçons à jeunes femmes l'administration, chercher jeunes professionnels pour qu'ils servent pendant la période de transition. Et nous attendons jusqu'à présent que CPTA a nos dernières réponses, parce que rappelons que Mario n'a même pas en conseil des ministres, et il faut absolument donc que CPTA joue le rôle. Et nous espérons que jeudi, puisque ils ont fini avec question CEPA qui est prioritaire, ou de façon presque finie, n'a pas procédé rapidement là pour le mairie. Mais pas seulement le mairie, Gary, il y a fait directeur général tout. Nous écrit CPT il y a à peu près 3 semaines pour nous rappeler que son bail est excessivement urgent. Et nous connaissons qu'il a réfléchi sur ça. Il y a plein de nous venir avec des propositions concrètes pour nous qu'on avancer. Évidemment, entre nous écrit autour pour nous faire des propositions sur une manière de remplacer les directeurs généraux qui est beaucoup plus participatif et beaucoup plus transparent. Nous t'ai proposé que, par exemple, nous faisons carrément des appels à compétition pour des postes clés de directeur général, côté que nous gagnons des sentiments que soit gain corruption, mais soit gain mauvaise performance, qui t'a permis jeunes femmes à jeunes garçons pour un processus beaucoup plus compétitif pour participer dans l'État. Mais nous avons mieux et nous espérons vraiment que d'ici la semaine prochaine, nous tourner, c'est pour la grande priorité que nous gagnons pour nous avancer sur le dossier ça. Bah, Jean-François. Salut GBBC, je vais saluer PM qui est même avec nous en ligne. Et question pour PM,
Et il y a un scandale BNC, c'est au même qui demande l'ULCC pour lui enquêter sur la question ça. Maintenant, comment avance l'enquête là? Vous connaissez que l'enquête là, son bail est totalement secret, je n'ai aucun contact avec les responsables du LCC qui ont fait le travail. Et moi, je suis là, nous tous, nous sommes là, nous attendons que le bail conclusion sans a priori et évidemment sans idée préconçue. Maintenant, comment est-ce que l'ULCC saisit son dossier? Il y a 100 000 façons que le saisit. Et je pense que c'est une question de préférence pour t'amender responsable du LCC. Et maintenant, pour le ministre, le problème est qu'a privé la douane avec CPS, etc. Est-ce qu'il y a une solution avec l'armée? Absolument, Gary, nous prenons des dispositions pour ça. Nous avons que nous augmentons la présence nous l'an et APN, la présence de l'armée, alors l'an APN avec dans toute zone ça. Nous créons une task force qui travaille sous l'île. La police détruit tout bâtiment qui en face APN est constitué des menaces pour bateau. Nous avons renforcé la présence nous l'an mer. Nous prenons toute une série de dispositions pour que bateau en toute sécurité capable de commencer à retourner le plus rapidement que possible. Évidemment, ça arrive au moment où on a fait l'autre opération, on est obligé allouer aux ressources nous, de manière très, très judicieuse, mais très, très content et satisfait du travail extraordinaire que DG Normil Rameau avec commandant et commandant l'armée a fait ensemble. Ils ont réuni ensemble hein, en task force avec APN, etc., pour résoudre chaque problème ça, avec les ressources que nous avons. En même temps, nous cadrons que force multinationale a tout appelé nous et au fur et à mesure, moins, ouais, je pense que la population commence à être un peu situation à part. Mais évidemment, bah, pas facile, mais moi-même, moi, ouais, que n'a pas avancé. Et gagner une situation qui est développée, côté plusieurs journalistes qui doivent accompagner, ou pas arriver à accompagner, est-ce que vous avez nous deux, trois détails sur ce que fait, ou pas arriver, joindre visa de courtoisie, ça, pour être accompagné des délégations dans les Nations Unies? Gary, vraiment, visa, c'est toujours un privilège lié. C'est pour un droit. Donc, et généralement, ça me bataille, même, on y a fait, c'est conclu, quoi que ce soit, de 100 000 fois, visa pas passé pour des raisons, on a déjà une résidence, ou bien, on a déjà, on a fait une application. Il y a 100 000 raisons pour lesquelles il y a pas ou pas bail visa. Ce que je peux confirmer qu'effectivement, c'est que nous invitons plusieurs journalistes à participer avec nous parce que nous pensons que l'événement, ça a été un événement très important. Et pour des raisons que moi-même, pas Kabaou, la décision a été de ne pas leur accorder le visa. C'est ce que j'ai compris. Alors, le visa diplomatique qui est nécessaire pour eux de voyager avec notre délégation. Alors, okay. Bien entendu, forme de visa à ça. Mm-hmm. Et comment relation est en tout même avec Edgar Leblanc, puisqu'en fait, Guénèque dans l'opposition, qui y est tant fait déclaration, il dit, c'est pouvoir besoin prend, c'est-à-dire, c'est où monter de toute pièce et blocage contre Edgar Leblanc, et donc, il a demandé même Guénèque, qui sont leaders que tout le monde connaît, qui m'a dit, pour te tourner, pour capable de bailler Edgar Leblanc, place-toi, parce qu'il n'y a pas de gain droit là. Qui répond, soit bailler pour lui. Président avec premier ministre qui l'a. Donc, toujours il y a suffisamment de ressources pour tous les deux. La troisième chose, c'est que note de demande d'accréditation et de participation, la nationale, processus et assemblée générale là, les soumettre en même temps. Pour moi-même pour, et président Leblanc. Et la note, ça a été clair que c'est président Leblanc qui est chef délégation. Donc, nous croyons que l'ambassade américaine, jeudi a même mis tout notre dehors, confirmant qu'effectivement, président Leblanc bien toute assistance qu'on accorde au chef d'État, ce que je crois qui est une très, très bonne chose. C'est beaucoup comme dernière décision, mais Sylvie a collaboré, coordonné et appuyé comme ça doit pour que mission haïtienne ait un succès pour Haïti. Et ça se résume à ça. Donc, jusqu'au moment où je te parle, les relations sont très, très bonnes. On va là avec le président Leblanc régulièrement, nous aider, nous appuyer pour essayer de joindre nos solutions à un problème qui était gagné. Et nous, quoi, je dis, c'est déjà dû passer et n'a pas continué à avancer. Pour le ministre, ça veut dire, c'est qu'à passer dans CPTA, il n'y a pas gagné pour nous avec primature. Ça veut dire, qui tu es Kembe et conseiller, qui tu es par là, qui tu secteur ou décider, primature pas gagné pour nous dans ce qu'a fait là. Pas gagné aucune manipulation qu'a fait. Non, mais absolument, absolument. Nous-mêmes, ouais, ça arrive. Depuis cinq, nous fait que cette semaine passée, nous présenter les 100 premiers jours, gouvernement, tout gouvernement, pas seulement primature, a focus sur urgence et besoin peuple haïtien. Et nous présentons un bilan, nous comprenons que le peuple a souffri, nous comprenons que grand pile bagaille que font faire, nous comprenons que
avancer sous sécurité au trois ans, on a le plus vite, même cadeau que le gouvernement réunit jour après jour à travailler de longues heures pour nous-mêmes en attendant comment on a résoudre problèmes réels que le peuple haïtien a confronté. Nous espérons qu'entre temps, évidemment, CPT a besoin des solutions pour assurer que toujours fonctionnel. Je pense, bien actuellement, là, en bas, avec deux heures, et bien, quand la police, moi, n'a pas été là, à trois après, à PCO, et quand même, nous avons dit bonne nouvelle. Parce que la police commence à repousser, messieurs, en plus, la deux commence à écraser Almaron dans notre base. Mais quand même, en bas de la ville, tout ce qu'on est, leur dit quoi beau sale, ça te veut dire quoi beau sale. C'est tous les 10 départements du pays, parce que toutes grandes villes, toutes régions et toutes zones rurales, qui ont un beau événement manger en bas de la ville, là, et qu'elles disent, il y a une chose qui est asphaltée, là, et bien, actuellement, là, messieurs, on fait tourner des airs, mais qui dit, il y a beaucoup de gens qui ont dit, et le secteur public, bah, aux armes. Les clients ont dit c'est forcé ou forcé au point d'examen, c'est parce qu'ils ne travaillent pas. Et bien, mais quand on a l'occasion dans la ville, là, mes amis, dans la gamme. Bon, c'est bien malheureux, je ne vais pas vous dire une vidéo, mais en bas de la ville, là, qui est vraiment, vraiment horrible façon, mais c'est occasé. Et après, et bataille de déclencher, et bataille de demain, vivre ensemble, et tout le monde te connaît, et bien voilà, je laisse, monsieur, c'est mal, je vais payer à plus mal. Pas de yon dans ma quête, il y a le boulot qui est attaqué. Pas de yon dans ma quête, dans le business, n'est qu'un secteur qui est frappé, alors qu'il y a un bas de la ville, là, crasé. C'est pour nous commencer à comprendre. On s'est réfléchi, mais ce sont missions qui ont été gagnées. Ce n'est pas de jambes bataille de bataille pour te libérer le pays. Ce n'est pas de jambes bataille pour te libérer le pays. Quand on était là-haut, mes missions, c'est de craser en bas la ville. C'est maman petit, pas qu'à brasser la vie, pas qu'à brasser la vie pour mettre petit à l'école. C'est grave, c'est grave, c'est encore grave. Là, ça a été dit, il y a beaucoup de pour le peuple. Et chaque vire tout, on entend des mouches et mon peuple dans la bouche. Nous devons défendre le peuple, nous devons défendre la population. Mes amis, après un égdophine prend toute route nationale, nous devons être prospérés, et nous devons embalader la lèvre, craser le plat, 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 et deux ailes s'attourner. Mes amis, c'est grave. Pour ça, c'est grave. Le champ libre devant eux, mais moi, on n'a pas été là, maintenant là, Dimi, c'est un pulsé qui est dans la commune Tabac, coup de balle, c'est quelqu'un, et on partit dans la commune quoi des bouquets. Donc, nous gagnons extrait l'audio là qui est justifié côté que messieurs même lui a frappé et qui parlait de justement population qui ont même décidé à protester quand tu as boulé tout près devant l'ambassade américaine. Donc, encore une fois, ça sont l'autre type de protestation de population montée parce qu'il faut oublier de parler des implications ambassade américaine qui t'a passé commande pour t'arrêter commissaire Ibenson Gauthier. Suite avec, côté où tu as reproché, il était participé à assassiner un trafiquant de drogue, un trafiquant d'organes, et bien, qui lui-même était dans le monde, tout près de l'hôpital Petit Président, c'est là. Population fâchée, il a boudé, ça veut dire, actuellement, la commune Tabac, il vient de une scène de théâtre, côté que coup de balle a tiré, et on partit dans la population, même, il a manifesté tout près de l'ambassade américaine, au moment où on a parlé là, Dimi. Américain à peine prend décision là pour être capable de favoriser les galets blancs pour qu'ils soient capables de venir dans 79e Assemblée générale de l'ONU. Après, ils étaient fini humiliés. Et sans oublier, dossier population au niveau commune Tabac, les décampés, en plus, si on n'a pas été là, les caoutchoucs ont boulé les zones ambassade américaine, situation compliquée, Dini, la police avec Bandi a toqué coup de cognon. Pour citer quelques temps pour ça de malgré pour débattre et divers encore, et bien encore une fois pour les philosophes, je dis nous saluons. À mon sodo qui a pris les Amrila parce que Bandi a envahi en l'autre zone encore dans sodo, et puis il y a un côté dans la boule, Bandi qui a tourné fait base là, la police est courue derrière aujourd'hui à récupérer zone là, une zone qui est Kamichou qui est dans le bloc, la boule là, ça est quelque point, nous allons débattre là, dans l'émission, nous saluons pour ces philosophes. Bonjour, bonsoir à toute l'équipe de finance. Gustave Jonas Namona Paella, qui t'a déjà sous sol là, qui t'a déjà arrivé en Haïti. Et bien, côté qu'il y a pile inquiétude par rapport avec dénonciation, qu'est-ce qu'on a fait par rapport avec Jackson Bandio, Gustave Jonas, qui actuellement jeune déportation par autorité dominicaine, donc qui finalement déporté dans le pays d'Haïti. Et déjà, dit en pile inquiétude, et bien, je crois qu'il y a plus le monde qui est Gustave Jonas, qui aime bien avant qu'on a parlé. De l'extraction de dans différentes zones, différents quartiers, malheureusement, il est déporté. Bon, quand même, il vient dans le pays, nous souhaitons qu'il va évoluer en toute sécurité, mais nous connaissons comment il a été.
Bon, et bon, moi-même, pas dit que monsieur en sécurité, parce que mesdames, messieurs, tout le monde connaît les jeunes garçons, ça. Et monsieur, son nez qui était toujours là, il y a sans filtre. Et monsieur, c'est un nez qui était qu'on a attaqué bandit, là, par à peu près, là. Monsieur, toujours à dénoncer monsieur ça, aujourd'hui, là. Et le fait que l'immigration déportée, c'est sur certains, moi-même, comme jeune, m'a plus inquiété pour Jonas, même là que nous ne connaissons pas. Mais d'abord, soit haïtien, monsieur, t'as fait un travail. Côté d'accord, côté pas d'accord, mais travail, t'as fait, t'as dénoncé une équipe, une gang. Et puis, nez, ça, yo, soit équipe requin, oui, ça fait longtemps. Tant y a menacé Jonas tout le temps sur le réseau, y a toujours menacé monsieur. Je dis à la bon, et nous pas qu'on est exactement. Nous ne sommes pas capables de confirmer est-ce que monsieur est rentré à Haïti ou pas. Mais c'est l'immigration dominicaine qui prend monsieur. Mais en même temps, je me pose une question. Comment fait Jonas à dénoncer gang, à dénoncer bandit pour faire erreur amateur ça, monsieur? Pour pas de gâte à béton légal, pour pas de gâte à arrangé pour quitter sa rivaux. C'est pas je dis à l'égo menacé monsieur pour tout là. Tout le temps, il a subi menace, même en direct. Et c'est sûr, certain, bon, là, je connais plus le monde qui a attendu ça, qui est inquiet, parce que techniquement, et moi, je n'ai pas souhaité en y arriver, monsieur, qu'on y a là, qui ça peut passer avec nous, c'est ça, parce que, Negio, c'est pour j'aimerais, monsieur Sao, soif et Jonas. Bah, on se voit dans ça, et Richard. Bon, Jimmy, comment est-ce que vous dites, je vais le faire tout de suite. Comment est-ce que vous dites là, pour qui ça, monsieur, pas de pas arrangé, par rapport avec dénonciation la paix et contre bandit Améo? Alors, tout du tout, à ce moment-là, pas aucun haïtien qui est légal à la République dominicaine. Et visa, quel est visa touriste, visa travailleur, et visa ça y est, pas renouvelé encore. Et qu'on y a là, tout haïtien qui est en République dominicaine, c'est en situation irrégulière. Donc, il va pas gagner le temps qu'à faire depuis un an avec vous. Même si vous avez un passeport dans le monde, à faire visa tout, qui, depuis plusieurs mois, il n'y a pas de visa encore. Il n'y a pas renouvelé visa encore. Il n'y a pas de bonne visa encore, donc ça veut dire que tout a été illégal. Mon moment n'a pas été là, par rapport avec les politiques anti-haïtiens et nous avons dit qu'on va appliquer à la République dominicaine avec la réélection de Luis Abinader à la tête du pays. Dimi. Jason. Oui, Jimmy, bon, Jonas, ça c'est Jonas Nilsson, qui est toujours à suivre par rapport avec le conseil de dossier qui va mettre des bandits, mais je crois que c'est un aide matissant. D'après ça, je suis content de dire, c'est un bloc de la soeur, nous savons que c'est sorti. Eh bien, si les gars sont en train de me ça veut dire que c'est ce qui est le cas, mais comme ça, si tu as en train de qui est lié, il y a un cas de ça rentre dans ta suite. Parce que vous avez le vinoué, si vous voulez tourner n'importe quoi avec arriver là, mais vous voulez que ça comme des bureaux quand vous ne pouvez pas vous tourner. Bon, si toutefois, il y a d'avoué M. Tounen, M. Pagan, nous avons déjà connu ces blocs de zone métropolitaine là, Carrefour, bloc Grissier, et puis la Tibonica, qui vient plus chien à ça, si je ne sais pas quand j'ai mis M. Pagan, même si M. Pagan est plateau central, il va être dans le nord-est, il va y avoir des choix, c'est une zone de la boule d'arrêt, parce que M. est entré dans la zone de la bloc capitale, la zone métropolitaine, non, mais la Tibonica, là, il y a un problème, c'est ce qui est, il va y avoir des problèmes qui font mais il y a un autre choix. Depuis le déporté, c'est chercher un homme qu'il connaît, qui plus ou moins, côté de l'Ontécal, qui est dans la parole, qui se dit qu'il y a une bataille en poupette. Bon, on va aller dans la ville là, on va bloquer marché en fer, marché tête de fion. Les zones, ça a vraiment, oui, et par côté, on va aller encore. Parce que les nègres, c'est eux-mêmes qui occupent tout en bas là, avec un partenaire de la Saline, qui sous la Risa. Même pied bois poussé dans toute la Risa là. Pied bois poussé, par exemple, à Théalon, il y a comme s'il vient de béton coup de soude. Tellement zone ça pas bon. Ça, c'est un côté toujours à parler. Mais il y a un bloc qui a fait là. Il y a un bloc qui a fait là, là, tout, qui presque même gens, tout, Magouan, Boise, Ricapoua. Nous n'avons pas de Ricapoua. C'est parti dans le bloc champ de masse là, qui ont tigé en plus. On a Ricapoua, pas de l'île longue, puis le libé juste en bas. Zone en bas, il y a un bandit qui occupe là. Il fait un là, bout, tout ça. Il y a côté même pied bois poussé là-dedans. Parce que les gens, c'est ça, on fait. Là, au cours des mounes, ils mettent dans zone là. Yo pas dans sécurité yo te venir faire c'est seulement tes cours de mon député qui a volé ba dans ca mon yo ala tout ça procéder et puis faire mon habi qu'on a venir qu'on pas qu'on dans cours qui a demi jusqu'à présent dans l'école nationale là dans lycée qui prend quelques ministères tant que ministère communication sur Bavenaro prend le trouver là mon abdomen bon et ça seulement là tu as fait c'est faire mon habi alors que bon côté tu as fait mon dormir à parole que yo bral vie bouzam contre mon dit baol et pourtant c'est tellement dit c'est pour même mon ça y a travail. Et c'est ça seulement, l'exemple de faire, c'est courir des mondes, bye. Président CPT acte Edgar Leblanc. Selon information, le gouvernement américain a décidé pour ne pas accorder sécurité à Edgar Leblanc fils, pas après proposition qu'un avocat dans le département d'État a fait. Eh bien, après, côté qu'un avocat a fait qu'on est,
il va y avoir raison, il va y avoir pour qui raison, eh bien, obligé de des présidents et CPT, des membres CPT qui viennent participer dans cette forum, alors que ils ont seul été capables de représenter le gouvernement. Eh bien, finalement, délégation, lui, finalement, a gagné pour entrer aux États-Unis, après des galets d'office, qui a gagné pour prendre la parole jeudi prochain, jeudi, qui a venu là, sous tribune des Nations Unies, après des 79e Assemblée générale, l'ONU, qui a gagné pour le fait là. Et bien, côté que Edgar Leblanc, qui est vraiment à cœur là, qui est vraiment content parce que le département a tourné ses décisions, et finalement. Il y a les 100 honte, c'est 100 honte, il n'y a pas gagné dans Figui. Si M. Gagné dans Figui, il n'y a pas supposé, il n'y a pas supposé même à l'embaye ça. Après que vous finissez humilié comme ça, s'il y a un minimum de crédibilité, je ne sais pas à l'âge, je ne sais pas qu'il t'a quitté humilié comme ça. Si M. même pas d'après lui. Oui, monsieur. Et raison qui fait que vous avez refusé Edgar Leblanc. Et sécurité diplomatique, c'est sous demande quelques avocats dans le département d'État qui te dit eux-mêmes, ils ne comprennent pas comprendre pour qui ça, obligé de gagner deux conseillers présidentiels qui font partie de la délégation, alors que ils ont seul ça qu'on va vous présenter CPT. Et bien après, en pile pour parler, tu as gagné un gouvernement haïtien avec le département d'État américain, et bien ils ont décidé de prendre décision pour accorder sécurité diplomatique avec Edgar Leblanc qui lui-même. Désormais, qu'a pour quitter le pays, dans les prochaines heures, et surtout qu'a pour prendre la parole sous tribunal, eh bien, jeudi qu'a venu là, et c'est jeudi 26, je crois, c'est jeudi 26 septembre, sous tribunal des Nations Unies, voilà, et Galébin, qui a, Jean-Di Ladimi, si c'est un caractère, de pour pas aller, pour t'arrêter, parce que, qu'est-ce que vous le coupable, et faut montrer qu'on a un caractère, même si c'est vous qui nommez nous, même si c'est vous qui nommez nous comme esclaves, mais au moins, montrer qu'on a un caractère, même parce que Ladimi, et le département d'État qui détruit sous décision, Edgar Leblanc, beaucoup de gens qui vraiment content parce que c'est ça qui t'attend après humiliation qui a été fait par l'élite, qui a été humilié Edgar Leblanc, qui t'a désarrangé, qui t'a valisé, qui a ramassé tout le bâton pour le rendre aux États-Unis, et bien, il a été refusé. Voilà, Jimmy, et je cherche le temps là pour Edgar Leblanc, qui est même là, quand même content. Bon, et bon, il y a même quatre dossiers, ça, il y a un autre ambassade.